Bonjour. Depuis que j'ai fait mon investiture pour le Parti québécois, je suis venu ici à quelques reprises. Et le message de Jacques Parizeau, un de mes modèles, Jacques Parizeau qui nous a dit, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors oui, je m'installe tous les matins avec mon drapeau le long des routes pour aller près des gens. Je vais être avec eux en solidarité parce qu'ils se lèvent tous les matins pour aller travailler. Puis je ne veux pas qu'ils me voient seulement sur une pancarte. Alors je veux être avec eux, ils me voient, je leur envoie la main pour moi. Puis je me sens comme dans leur famille. Je me sens avec eux. Alors tous ces gens, alors je vois des Latinos. Puis dans ma famille, j'ai ma nièce Valeria, qui a une maman mexicaine. Je vois des Asiatiques. Et je pense à ma nièce, Jasmine, qui a une maman d'origine chinoise. Je vois des Haïtiens, puis je pense à mes amis, Gerda, et puis Marie-Carmel, que je salue. Je vois tous ces gens, je vois des Africains, je salue Camille, mon amie Camille et sa femme Thérèse. Et je vois tous ces gens qui vont travailler, des infirmières, comme ma nièce, qui est infirmière, comme ma femme est infirmière. Moi-même, j'ai été préposé bénéficiaire. Je vois des gens qui conduisent des gros camions. Et c'est comme mon cousin Gilles qui conduit des vannes et qui va aux États-Unis. Et un autre qui conduit des camions remplis d'huile à chauffage. Et je pense à mon cousin qui est sur une ferme laitière. Bref, le matin, je me sens chez moi, dans ma famille. Ce matin, il y a une personne âgée, une femme, 65-70 ans. Elle bassisse la fenêtre, elle baisse la fenêtre. Je lui ai tenu la main. Elle dit, monsieur, pour la première fois de ma vie, je vais voter pour le Parti québécois. Il faut se faire un pays pour la liberté, pour le français, pour nos enfants, pour les personnes âgées, pour l'éducation, pour les CPE, pour l'environnement. Priorité numéro un, l'environnement. Bonne journée tout le monde. À plus.